Bonjour, comment allez-vous? Je pense que individuellement, pour certaines personnes, ça va, mais pour d'autres, ça ne va pas, parce que le monde penche vers la corruption et la faim. Mais heureusement, Dieu, dans sa préscience et dans son omniscience, avait déjà vu tous les maux qui vont abattre sur le monde. À cause de nos péchés, il avait envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous sauver, comme il a dit dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, est-ce que nous sommes les premières personnes que Dieu essaie de sauver? Non, nous ne sommes pas les premières personnes que Dieu essaie de sauver. Il y a beaucoup d'années, Dieu, parmi son peuple, il rachetait des hommes pour l'Église primitive, mais beaucoup refusaient et furent rebelles à l'invitation. Parmi eux, il y avait un homme important, appelé Saul de Tarse, qui participait à la mort d'Étienne, disciple de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ avait sauvé Saul en l'arrachant de ses œuvres mortes. Et aujourd'hui, c'est lui qui nous raconte comment Dieu l'a sauvé et comment il peut aussi sauver d'autres pécheurs. Lisons 1 Timothée 1er, versets 12 à 15. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. En m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Dans ce chapitre, 1 Timothée 1er, versets 12 à 15, nous avons vu, parmi les blasphémateurs, persécuteurs et les hommes violents qui avaient tué Étienne, serviteur de Dieu, Paul était l'un d'eux, mais il a obtenu miséricorde parce qu'il agissait par ignorance. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes s'entretuent, mais ils ne savent pas pourquoi. La parole a dit dans Daniel 12, verset 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun d'eux des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Jésus avait donné la réponse à la croix. Colossiens 2, versets 14 à 15 dit: Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et notre ennemi, Satan le diable, voit que son jour arrive. De sa grande colère, il est en train de tout briser sur la terre. Bien heureusement, Jésus-Christ l'a vaincu à la croix par son sang. Apocalypse 12, versets 10 à 12. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et maintenant, Jésus-Christ nous invite tous aux noces de l'agneau, dans les cieux, toute nation et toute race, race blanche, race noire et race jaune, que Dieu vous bénisse.